On se retrouve pour un nouvel épisode sur Open Science 4 avec toujours les états pontificaux. Et je me rends compte que il y a quand même beaucoup d'expansions agressives avec le... Mais j'ai beaucoup d'expansions agressives avec mes voisins. Et il y en a certains, c'est tellement loin, sans, c'est tellement loin que pour arriver à les repasser au-dessus de zéro en relation, je pense que c'est infaisable. En plus, la plupart, ils sont hérétiques dans l'Empire. Donc ça aide pas. Lui, il m'aime bien potentiellement. Ouais. Lui, il a amélioré ses relations avec moi parce qu'il est catholique. Le Palatinat aussi, même si il a beaucoup de mal. Il est pas dans la Koa parce qu'il m'aime bien. Lui, il est pas dans la Koa parce qu'il peut pas ou parce qu'il m'aime bien. Parce qu'il peut pas, il y a que 28, d'accord. Et plus au nord, tous les pays plus au nord, ils sont trop loin. Et ça tombe bien quand même. Malheureusement, la France, elle est plus tellement loin de moi maintenant. Donc, à chaque fois que je prends des provinces, ça a un grand impact sur elle. La Provence, j'espère que le temps que la trêve se termine, c'est-à-dire ça a duré 2-3 ans, ça va être trop tard. Provence, 38, ouais, il reste 10 ans de trêve. La Bohème, elle m'aime bien. Peut-être que je devrais me réallier à eux. On va regarder quelle taille ils font, la Bohème. Autriche, 51 000 hommes. L'Autriche, qui n'est pas empereur, qui possède ses territoires de base, plus 1, 2, 3, 4, plus une poignée. Bon, ouais, ils ont quand même pas mal de territoires, ça se trouve, c'est des provinces riches et tout. 11 de dev, 12, 15, 9, c'est quand même pas mal. On se l'avoue. Bon. L'Autriche a 51 000 hommes, c'est-à-dire un millier de plus que la France. C'est bon à savoir. Alors que la France est tout entière et tout, hein. Enfin, la France, ouais, bon, la France a quasiment toutes ses provinces. J'en ai piqué une. Elle a pas repris toutes ses provinces, mais elle en a déjà repris beaucoup à l'Angleterre. Et nous, on cherche. Alors, Bourgogne, c'est 24 000 hommes, à peu près autant que le Portugal. Et la Bohème, c'est 18 000 hommes. Donc, sur leurs 30 000 hommes de quand ils étaient gros. Ils ont bien perdu un tiers. Ouais, la Lituanie, il y a un moment où je peux pas. Ce serait du bénévolat que vous gardez en allié. Hein. Ils nous détestent pas tellement, c'est fou. Ils ont des raisons de nous détester vu tout le territoire que je leur ai pris, mais. Est-ce qu'on les remplace par les Mamelouks? J'ai juste peur que l'Espagne nous quitte si jamais. Je prends les Mamelouks. Karakoyunlu, non. Les Ottomans, à mon avis, il n'y a pas moyen, mais pas moyen. Oh, le Danemark. Rivaux à la Pologne. Ah, mais ils sont beaucoup plus gros, à mon avis, le Danemark et la Suède. Alors, on va voir ça. Oh, ils sont bas ou alors je les ai loupés. Alors, attendez, on va reviser un peu plus haut. Le drapeau du Danemark qui ressemble à il y a une croix. Vraiment? Non, ça c'est trêve. Non, ils ont plus que trêve, j'ai dû les louper. C'est bien ce que j'avais pas osé présager, ils ont 11 000 hommes. J'imagine que la Suède est plus grosse. Alors, PQRS, Suède. Quoi? 4 000 hommes? Mais il se passe quoi là-bas? Il y a eu un dépeuplement de la population? Vous avez perdu 25 de dev? Ils n'ont pas l'air d'avoir des soucis. 32, 15. Rien qu'avec cet état et cet état-là, ils sont censés être plus gros que ça. Ils font un demi-Brandebourg. À eux deux, ils font même pas la taille du Brandebourg. Et même pas la taille de la Bohème non plus. En puissance militaire. En développement, ils doivent être super hauts. Mais en puissance militaire, c'est pas la joie. Oh, ils ont beaucoup de territoire, eux. Il n'y a pas de colonie française, j'ai l'impression. Il n'y a que des Hollandais, Espagnols, Portugais, bien sûr, et Anglais. Et ça, c'est la Hollande. Ah, la Hollande a un bon poids. J'imagine que la Hollande pèse un peu plus lourd, du coup, 150. Or, on pourrait quasiment les récupérer.
Perdre en dévotion et gagner en prestige. Ouh, il y a moins d'une page. Par contre, on est à 200 de désir de réforme. De toute façon, c'est fini, les centres religieux. Donc, la France est réformée. Ça donne une très bonne raison pour l'attaquer, la détester et tout. Du coup, la Castille, dans la péninsule ibérique, il y a des tonnes de cardinaux. On peut faire une chaîne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une chaîne de 7 cardinaux. En Angleterre, ils ont une petite chaîne de 3. Et en Pologne, 1, 2, 3, 4, 5. Les Ottomans continuent à guerroyer. Entre les États les plus faibles possibles. C'est fou que les Ottomans se donnent le mal de combattre la Grande Horde et les Ouzbeks. Et Biapas, je sais pas ce que ça doit être ça. Bon, ça m'étonne pas tellement. Pour une province, quoi. Pour achever leur cible. Ah oui, ils sont alliés à la Russie, eux. Ah, ce qui doit justifier le fait que les Ottomans considèrent qu'ils sont plus faibles que Karakoyunlu. Parce que la Russie, elle fait une bonne taille. Elle est alliée à la Pologne. D'accord. Ouais, mais c'est beaucoup trop cher. On peut prendre un nouveau truc par contre. Par contre, je vais prendre les doctrines offensives. Pas de tech de retard en diplo. Les Espagnols ont pris des provinces à mon vassal temporaire qui était Tafilet. Bon, il y a des pressions religieuses. On est presque bon, hein. Presque catholique partout. Ça, c'est fou de se dire que l'Autriche est garantie par l'empereur. Elle est aussi alliée à la Lituanie, au Brandebourg, à la Saxe. Non, la Saxe, c'est l'empereur, c'est tout. Et pour l'instant, il y a un peu beaucoup de monde dans la coalition contre le royaume de Dieu. Évidemment, il y a une majorité d'hérétiques qui s'opposent à l'avènement du royaume de Dieu. Brême, non, désolé. Enfin, sauf si vous voulez être mes vassaux, mais je suis pas persuadé. Mince, ils se sont fait bouffer avant, Théodora. Ils vont peut-être être libérés par les Ottomans. Ou alors les Ottomans vont servir ici. D'ailleurs, la Crimée existe. La Croatie, c'est un vassal de l'Autriche, d'accord. À laisser des gens à laisser la Croatie trop proche de l'Autriche, je prenais ce risque en effet. Et elle est pas dans le Saint-Empire. Par contre, ces provinces-là ont été mises dans le Saint-Empire par la Bohême. Qu'est-ce que ça donne moi mes relations avec la Saxe? Ils sont catholiques donc on a plus 47. Ils voudraient pas être alliés avec moi parce que je suis allé à Brandebourg. Vous savez à quel point je tiens au Brandebourg moi? Je pense pas que vous sachiez. J'ai envie de virer le Brandebourg, il fait que 22 000 hommes. Si je vire le Brandebourg, j'aurais plus de facilité à avoir la Bohême et la Pologne. La Saxe, elle est juste Brandebourg. Donc on va s'allier à la Bohême. Ah, par contre, la Bohême est hérétique. C'est bon à savoir. Vous avez tenu pendant si longtemps. Le Brandebourg a réussi à reconvertir toutes ses provinces. C'est vrai qu'un état catholique, ça me plaît plus tout de même. Donc on va garder le Brandebourg en tant qu'allié et espérer que soit la Brandebourg soit la Bohème l'emporte sur les élections. Mais j'y crois pas trop. Séparatiste provençal, on était dessus. Alors j'ai pas un monsieur qui me coûtait moins cher moi. Non. Ah si, lui. Pierre de Maurepas.
J'ai plein plein de sous. C'est cool. J'ai envie d'avoir plus de provinces de papier vu ce que ça peut rapporter. On va améliorer nos relations avec tout le monde. C'est, à mon avis, c'est tellement plus intéressant. Plus intéressant. Ah, ceux-là, ils rapportent plus que ceux que j'ai fait. Bon, c'est pas grave. On va se remettre à gagner des sous. Parce qu'améliorer nos relations avec nos voisins. Bon, il y en a beaucoup sur lesquels ça n'a pas tellement d'effet. Par exemple, l'Espagne. Ah non, ça n'a pas fait effet sur l'Espagne. Sur la Croatie, ouais, à apaiser la situation. La Hongrie, j'ai apaisé la situation. Améliorer les relations. Est-ce qu'ils seraient prêts à s'allier avec moi? Non, parce que j'ai Pologne et Bohême. Quoique, ils me font pas confiance. Mais sinon, on est à moins 8. Donc, ils seraient prêts à s'allier. On a presque trop de points. Ça va, un peu de chèque à Trentino. Une doctrine d'influence. On a des trucs gratuits. Mais ce serait des trucs qui changeraient. Donc, coût d'annexion diplomatique, moins 20%. Celle administrative. Pour l'instant, on va garder les décrets des espions étrangers. Détection des espions étrangers. Et sinon, je peux prendre des trucs sur les mercenaires. Ou sur l'attrition des troupes ennemies et la croissance globale des garnisons. Vitesse de recouvrement des réserves et modif d'entretien intéressant. Pour l'instant, on va garder celle que j'ai. J'ai plein, plein, plein de points sur la France. Profitons-en. J'en ai même plus que ce que je peux utiliser. D'accord. On va revendiquer des territoires savoyards également. Ils veulent pas avoir des révoltés sardes. Je crois qu'on dit Sarde pour la Sardaigne. Ici, ça m'arrangerait. Comme ça, ils me cèdent leur province italienne, ni vu ni connu. Et on n'en reparle plus. Bon, à vrai dire, quand j'ai joué les états pontificaux, je m'attendais à grossir comme ça dans le nord de l'Italie. Mais je m'attendais pas à prendre des territoires provençaux ou français parce que de façon générale la France c'est un gros morceau et je m'attendais pas vraiment à prendre des territoires par là. Finalement, je pense que j'ai bien fait de prendre Raguse et les provinces qui étaient derrière, ce qui m'a mis un pied à terre de ce côté-là et après j'ai décidé de grossir et de grossir et de grossir. Bon, c'est clair qu'une fois que j'avais commencé à tuer les Ottomans, je risquais de m'étendre de ce côté-là. Et ils sont pas alliés à la France. Et la trêve avec eux est déjà finie? Ha ha ha! Messieurs les Mamelouks, vous m'avez l'air bien intéressant. Pas contre vous, hein, mais. Mais je risque de vous dévorer. Vous n'allez rien voir venir que je vous aurais déjà englouti. Aller jusqu'à Capitanate si jamais vous voulez. On va aller jusque là. Le truc c'est que je dois pas avoir la force pour traverser le fleuve. Traverser le détroit de. Le. Comment ça s'appelle? La mer de Mara. Le. Enfin le. Là. Le passage. Comment ça s'appelle? Ah ouais, détroit de Gibraltar, détroit de Constantinople. Allez, c'est dit. J'ai que 10 galères, c'est pas très bon. Peut-être que sur un éclair. Non, j'ai peur que si jamais je vais le mettre là, là où il y a un fort, ce sera un peu mieux protégé. Alors, Vérone et Lika. J'ai des revendications sur eux. Oh, pas tellement que ça. Bien dommage.
Hop, je m'en fiche de mes relations avec les Ottomans, franchement. On va aller jeter un coup d'œil avec nos bateaux. 56 bateaux amarrés. Oh, donc 54 galères. Ok, il n'y aura pas de combat. On va aller jusqu'à Corfou. On les ignore. Qu'ils aient raison ou tort, ça ne me fait ni chaud ni froid. Pas là-bas, Brescia. Si, j'étais sur le Milanais, je croyais que j'avais cliqué sur la Savoie. Attends, quoi? Brescia et Brescia. C'est une blague, ils ont fait exprès. Bon, ça joue au 2S et s'appelle Bourg-en-Bresse en fait. Quand c'est occupé par les Français, j'imagine. On va y aller sur l'Ottoman. Avec l'aide de la Pologne, pour qu'on soit quand même un peu plus nombreux. Avec pour objectif de prendre Gelibodu. Hop là. Et je peux pas organiser une croisade contre eux? Non, c'est pas moi le pape, j'imagine. Non, c'est le Danemark. Et la croisade est contre Package. Voilà, on avance. Oh, il y a des troupes de l'autre côté du détroit là. Oh, ils veulent m'affronter. Ok. Est-ce qu'on peut les choper avant? 21, 24, c'est bon. Voilà. On les a un peu refroidis. S'il y a un fort, on va envoyer toi, toi et toi sur le fort. Et puis toi quand tu pourras. Hop, voilà. On occupe et tout et tout. On a eu le libre passage sur la Hongrie. Envoyons plus de monde. Faut que j'occupe mon objectif de guerre, moi. C'est bon, on peut faire ça. Et si j'allais tuer ce bateau là-bas, il bougerait déjà. On va faire ça. On peut pas passer. C'est des bateaux quad, ça? Des transports et des autres. Ok, bon, on va pas les chercher. Hop, on va prendre Madame Caracosa Cafara. Bon, les protestantes, peut-être que je devrais pas prendre des conseillers hérétiques, mais bon, c'est pour montrer au peuple qu'il en reste encore aujourd'hui et qu'il n'y en aura plus demain. Mince, ils font quoi? Ils partent là? Je sais pas. Bon. Ah, je peux rien demander si jamais je me contente de cette partie-là. Ils sont allés siéger là-bas. Hop, on a fini ce siège-là. On va essayer de les réattirer. Ah, ils sont à l'arrêt. Là, ils bougent, je sais pas où ils vont. Hop, on a coulé un petit bateau. Mince, j'avais un bon score. Je pense que c'est parce qu'ils avaient arrêté de faire
le blocus. Ah, logiquement, j'ai toujours ce fameux bâtiment. Donc, ils prennent de l'attrition. C'est pour ça qu'ils restent, peut-être. Ouais, ils ont le truc. Dans les eaux ennemies, 5%. Bon, j'occupe l'objectif de guerre. Donc, mon score va encore monter. De 21. Et à 40 de score de guerre, je sais pas s'ils pourront se permettre de dire non, on n'est pas très partant. Bon, c'est un long chemin, mais ah, ils ont pris les territoires criméens. Comme c'était une possibilité. Bon, on va aller à Trabzon. Oh non, ils sont en train de passer par derrière. Toi, je te veux aussi. Oh, il y en a énormément. Je pense qu'ils sont tous là-bas. Oh, ils sont plus que moi, là. Plus que moi et la Pologne. On va rester derrière le siège de Ferrari, au cas où. Allez, on avance. Vous attendez. On va à Frioul. Toi aussi, tu vas à Frioul. Voilà. Ils se regroupent. 70 000. Non, logiquement, on est 120 000. J'ai toutes mes troupes. On arrive le 3 janvier. On arrive le 1er janvier. On arrive le 3. Ce sera mieux. Ça va être un sacré choc. Sacrée bataille. Peu de pays qui peuvent se vanter d'avoir autant de troupes que ça. D'ailleurs, je crois que je suis le seul. L'inverse, c'est bien ça, je suis le seul à avoir autant de soldats. Donc on les a chassés, on va envoyer une armée, aider les Polonais. On reprend le fort tout seul. Le siège tout seul, je sais pas exactement où ils vont. Je pense qu'ils vont aller jusqu'à chez eux. L'armée qui va aider les Polonais, on va la pourvoir du général. Prenons les... Oula. Hop. La croisée des Ottomans. Ah, ils sont restés là-bas. Bon bah dans ce cas-là, on va reprendre deux armées et les renvoyer là-bas. J'ai envie d'envoyer une armée... Non, c'est pas prudent d'envoyer une armée jusque là-bas. Hop, on les a battus. Là où ils sont pas très nombreux, on peut continuer à les chasser. Bonjour vous. Ah, j'ai trop de points, j'ai pas fait gaffe. Oh là, ils se sont fait siéger tout seuls quand même. Allons couler 8 bateaux de transport tunisiens qui se sont glissés dans ces eaux. Ça nous a pas coulé. Je pense que c'est la Pologne qui nous fait perdre du score là. Ils ont moins 39 eux. C'est clair que ça aide pas. Oups. Non, on va pas les attraper. Je sais pas si on les attrape. Non, on les attrape pas. Ils vont être coincés sur Constantinople. Allez, faisons ça. Go. Le deuxième. Oh. Ça a piqué. Mais c'est gagné. Au début, j'ai eu beaucoup de dégâts. Voilà, donc là, ils sont complètement démotivés. Et il est temps de commencer à me donner des trucs. Il me donnerait tout ça déjà. Vous me direz, hydrolien, c'est pas tant que ça. Attendre, prendre pose d'âme. Et je vais vous dire, ah non, je l'ai déjà fait. J'ai déjà attendu. Non, en vrai, j'ai encore du score de guerre à gagner. Il n'y a pas trop de raisons qui deviennent à enthousiasme plus élevé. Hop, j'ai fait les manufactures. Toutes mes provinces italiennes du nord sont catholiques.
Oh, il y a une guerre Autriche-Espagne. Qu'est-ce que ça peut bien être comme guerre? Défenseur face à Espagne dans la guerre coloniale espagnole contre Hollande. Donc la Hollande. À mon avis, la Hollande est alliée à perdu. L'empereur est la Saxe, et donc la Saxe. Attendez, comment ça se fait qu'il y ait l'Autriche? Ils sont réformés, à mon avis, ils sont défenseurs de la foi réformée, donc ils défendent la Hollande. Et la Hollande est également défendue par l'empereur, c'est-à-dire la Saxe et ses alliés. C'est-à-dire un peu plus de monde que ce que la Hollande peut ramener toute seule. C'est-à-dire la Pologne, le Palatinat, la Poméranie, le Brabant, la Hollande. Ah, ils font partie des alliés. Ok, donc nous on a fait conquête d'un empire aussi. Ah, on est en 37 de score de guerre. Il y a des gens là-haut. Si ça vous pose pas de soucis, on va aller leur rendre visite. Mais j'ai l'impression de perdre des hommes et tout, mais mes réserves sont vraiment infatigables. C'est génial. On a perdu du score. Est-ce que je peux pas les shooter? Ils se sont séparés en Pologne, ouais. C'était le Danemark, j'aurais pas intervenu. C'est la Pologne. 38 de score de guerre, ça continue à monter. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? 14, c'est pas tellement ça. Ça, je pourrais pas, mais ça va finir par arriver. Sachant que j'ai Morée. Mais j'ai pas les îles Blabla. Si, j'ai les îles Blabla. On va prendre les îles Blabla. J'aimerais prendre ça. Comme ça, j'aurais bien terminé cette section-là sur les Ottomans. En même temps, j'aurais continué à avancer sur l'état de Thrace en route vers Constantinople. Ils se prennent le malus et ils ont l'air de s'en ficher. Hop, on va faire ça. Capitanate. Oh, ils ont des particularistes, les Ottomans. Pas bon ça d'avoir des particularistes chez soi. C'est quand les provinces qui n'ont aucune raison se révoltent. Tant qu'ils occupent une seule province, on va les laisser. Je pense que je vais les laisser tout court d'ailleurs. Ah, ils sont pas très partants. Et si je demande juste ça, 4. On va pas avancer vers Constantinople alors. On va se contenter de ce qu'on a. Oh, mince, ils veulent aller sur moi. Oh, mais ils se promènent là-bas en fait. S'il y a des Ottomans à affronter, nous on y va. On va y aller comme ça. Ils sont en train de reprendre le siège. Est-ce que ça m'intéresse tellement d'avoir la province de plus? On va le faire, je sais pas si c'est passionnant. Ah, je vais avoir de la démonstration de force, parce que ce sont mes rivaux. Sauf s'ils font plus la taille qu'il faut. Non, c'est bon. Ça fait un moment que j'ai pas changé de rivaux. On va envoyer des insultes là-bas pour repasser à 51. Jusqu'à la fin de l'année. Il me restait 3 provinces. Oh, ils ont eu le temps de le prendre. Fichtre. Pas été assez vif, moi. Hop, vous allez donner un coup de main là-haut. Je suis pas persuadé qu'ils en aient besoin d'un. Bon, 3 armées, ça me suffit en fait. Donc, si jamais vous 3 vous allez là-bas, m'en contenterai. Surtout que j'ai. Non, les Polonais ils sont pas avec moi. Hop, c'est repris. On a le général de dispo.
Bonjour messieurs les Ottomans. Avez-vous remarqué que vous n'êtes pas en Ottomanie? Oh non, il s'arrête là. Oh, ça c'est une erreur stratégique qui est fatale. 50% de score de guerre. Ça veut bien lâcher ça. Ou alors celle, je sais pas, 54, 56, 56, 63, ce serait trop pour eux. On va demander 56 comme ça. On va demander celle-là. Plus quelques sous. Hop. On n'est pas loin du max de nos capacités de gouvernance par contre. Faudra pas trop gagner de territoire. On va passer par là, puis aller de ce côté là. Ok, et toi, tu vas revenir un peu en arrière. Allez, reviens. Bon, allez par là. Hop. Hop. Ouais, ça me convient de rejoindre ta guerre. Le truc, c'est que j'ai plus aucune revendication sur l'Autriche. Ça, c'est quand même vachement triste. Ya. C'est, je vais faire du bénévolat en fait. Ah, avec la Pologne aussi. Ah, c'est vraiment crapule ça de m'emmener dans une guerre contre la Pologne. Du coup, je suis plus allié avec la Pologne alors que j'étais allié avec eux. À l'instant, on est en guerre donc je peux pas améliorer mes relations. C'est-à-dire, je viens d'aider la Pologne à pas se faire trop massacrer par les Ottomans. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Hop, c'est parti. Vous êtes en guerre contre la Pologne, vos copains. Alors vous, je crois qu'on vous a pas tout à fait expliqué la vie. La vie, c'est vous sortez de mon territoire. Vous, vous avez le droit de rester parce que vous êtes nombreux. Mais c'est tout. Les autres, j'ai dit non. Bon, on va faire un réseau d'espionnage contre l'Autriche. J'espère qu'ils n'ont pas de province dans l'Italie au moins. Je serais un peu embêté de pas... C'est bon, c'est plus d'Italiens ce qu'ils ont. C'est pas des provinces ultra nécessaires. Alors, la Bohème a fait une avancée dans les lentilles. Très bien, on a perdu Avignon. Personne ne peut plus danser sur le pont d'Avignon. Il est cassé. Par nos ennemis. Nouveau pape. Je crois que c'est moi le pape. C'est ça. Oh, c'est vraiment bête ça d'avoir... pour l'instant, non, la Lituanie. Normalement, on sèche bien l'Autriche. C'est une guerre coloniale, donc ça se trouve, ils vont rien me donner. Bah, d'ailleurs, vu que j'ai rien revendiqué sur nos ennemis actuels, ils vont probablement rien me donner. Nouveau commandant pour affronter les Polonais que je venais d'aider. Oh, c'est triste ça quand même. Si je me fais un suffisamment bon score de guerre, je pourrais me permettre de prendre... les provinces de Carniol... De Carniol, en fait. Enfin, surtout la côte de Carniol. Hop, fin de ce siège-là. Ils sont un peu trop nombreux à mon goût pour l'instant. Peut-être qu'on peut faire sortir ces gens-là. Alors, les Polonais sont venus par ici. Bon, sinon on va aller de ce côté-là, on va rassembler nos troupes un peu. Ces gens-là, on va les rassembler quelque part. Jean Basque ainsi, ils sont partis.
On leur a fait peur. Ok, bon alors toi et toi, mes armées bien complètes, vous allez là. Les autres, ils se rassemblent et après on leur demandera. Alors, exigence du pape. On va réclamer, on va voir ce que ça donne. On va prier pour le fait que ne tiennent pas. Parfait. Yes. Ils ont accepté. Puissance militaire, bla bla bla. Ouais, c'est pas le meilleur moment quand on est en guerre pour faire ça, mais on va dire que vous n'avez rien vu. Je me suis fait siéger la partie savoyarde provençale de mon pays. Mais ça va pas tarder à dessiéger sec. Messieurs, ne partez pas tout de suite. Mince, ils ont sorti l'Autriche déjà. Oh là là, j'en ai chopé qu'un du coup. Bon, je m'attendais quand même à ce qu'ils ne donnent rien. Ah, je suis déjà en conflit contre l'empereur, donc je peux pas en profiter pour attaquer les membres de l'empire. Dommage. J'aurais bien aimé. Alors oui, lui, il a pas tout à fait compris la vie. Si je te dis de sortir de mon pays, tu sors parce que sinon je te tue. Enfin, je lui ai pas dit d'ailleurs, il a peut-être pas compris. On va lui expliquer de façon plus claire. Voilà, et la Pologne, elle a pas compris non plus. Je crois que je viens de gagner 10 gains de 10 de tradition terrestre. Comme il y a un seul choix, j'ai cliqué instantanément. Je regarderai probablement au montage. Alors, puissance administrative, le prestige est déjà tout ce qu'il me faut. Voilà, donc est-ce que c'est clair, les Polonais, que vous ne cherchez pas... On peut les siéger en fait. Un pour Varsovie, un pour Cracovie. Hop, c'est parti. Et on verra bien ce qu'ils décident. Mais normalement, ils devraient se raviser un peu. Il reste juste une province à convertir, Torone. Je voudrais les cavaliers foncer, dessiégez-moi ça. Et après, il n'y a plus que du sunnite, c'est génial. Non, vous trouvez pas? Moi, je trouve. Alors, le Palatinat s'est rendu, si j'ai bien suivi. On est beaucoup plus qu'eux, mais... Mais qu'est-ce que vous croyez faire, vous? Hein? On s'en va, on s'en va. Hein, on s'en va. Tout de suite. Sinon, je vais vous tuer. Bon, ils m'ont fait mal quand même. Comme vous le savez, j'ai une armée résistante à toute épreuve. Qu'est-ce qui reste dans la guerre? Eux? On a pris Cracovie et Varsovie. On va motiver un peu les Polonais à nous quitter. Éliminer les Saxons, ce serait une bonne idée, je pense. Tuer leur armée, parce que c'est l'empereur en fait, tout simplement. Prestige et moins de dévotion, ça va remonter, c'est pas grave. Il est en train de s'enfuir. Est-ce que le Danemark est avec nous? D'accord. Rodivan. J'avais le siège là-bas, moi. D'accord, c'est bien curieux. Alors, la Nouvelle-Espagne l'emporte. Désolé pour vous, hein, messieurs les Hollandais, mais il semblerait que le plus fort l'emporte. Ils m'ont dupé. Ils sont passés derrière moi, je les ai pas vus. Osez la Pologne. À la limite, je suis content. Dans la mesure où j'arrive à me rallier à la Pologne, ce qui devrait arriver. Danemark s'est rendu et il a cédé Ozel, c'est ça là-bas. Du coup, on a gagné en score de guerre. Alors, archipel de Léger. Mais je l'ai pas déjà fait. Ah non, j'ai placé dans un. C'est ça.
Eh ben, on va convertir les provinces, et une fois que ce sera converti, on les donnera toutes à mon état de Constantinople, en fait. Je pense que ça vaudra la peine de légitimer complètement. Peut-être que ceux-là, je les laisserai aux soins de la société commerciale pour avoir un bon score. Ça marche comme les compagnies commerciales normales, on est d'accord? Au-dessus de 50%, ça me fait gagner un marchand. C'est bien ça. Parfait. Convertissons d'abord des territoires comme Négroponte, qui sont dans l'archipel d'Égée. Et Naxos, archipel d'Égée. Ah, j'ai plus de points. Ok. Hop. On va s'arrêter pour cet épisode. La guerre n'est pas tout à fait finie, mais je pense que... on sait à peu près comment ça va se finir. Mon pronostic, c'est la Nouvelle-Espagne va gagner ces territoires-là, plus une bonne part des autres. D'ailleurs, peut-être qu'il vaut mieux que je leur... que je laisse le truc à l'Espagne. Ils m'ont donné les territoires comme si ça les intéressait pas, mais ça m'intéresse encore moins, à vrai dire. J'ai pas de revendication quelconque jusque là-bas, moi. Je laisse à l'Espagne et l'Espagne jugera bon ou pas de prendre les territoires. Ouais, tout ça dans le prochain épisode. Faut que je m'arrête.